Tous et à tous, c'est Oliver Plasma et on est parti pour bien sûr une vidéo découverte, enfin un direct live sur Sonic Lost World. Donc je vais continuer. Oliver Plasma. Et voilà, toujours les fameux trois jeux. Oui, parce qu'en fait la vidéo je la fais juste après Wonderful. D'ailleurs, je vais poster peut-être avant Sonic Lost World. Donc là, on va se faire ce fameux Sonic Lost World. Ah merde, il y a une mise à jour, c'est ça? Non, non, la mise à jour est terminée. Je déteste les mises à jour. Il y en a à chaque jeu. C'est à cause de ça que je vais plus avoir de mémoire dans la console. Ah, il y a un jour, il n'y aura plus de mémoire. Ah, même quand on achète un jeu en disque, avec son boîtier... on perd de la mémoire à cause de cette fameuse mise à jour qui sert à rien. Donc voilà, ça me saoule. Ce jeu utilise la sauvegarde automatique, l'icône de sauvegarde automatique apparaît lorsque... C'est encore trop rapide. version 4.0.0. C'est très beau. Donc voilà, Sonic Lost World. Je sais pas si je vais faire en entier avec vous. Si, peut-être. En tout cas, j'ai fait la démo sur 3DS. Et franchement, je le trouve quand même beau sur 3DS. Ah, je vous laisse la cinématique. Allez, relâche les créatures, Eggman! Puisque tu insistes! Oh non, pas ça! Faire demi-tour pour la récupérer. Trop prévisible. Hein? J'ai comme l'impression que vous êtes vraiment centré. On est touché. Wow, c'est quoi ça dans les nuages? Ça doit sûrement être l'examen perdu. Cool! Arrête de planer! Fais-nous atterrir! D'accord, mais je te préviens, ça risque de secouer! Je vais vous dire un truc. L'intro est 10 fois plus nette que sur 3DS. Oh, et graphiquement aussi. C'est quand même plus beau. Parce que moi j'ai fait que la démo sur 3DS et. Bah, franchement, le jeu il me parle, hein. Ça a l'air vraiment d'être un bon Sonic. Surtout que c'est ça fait c'est une fusion à moitié entre Sonic pour la vitesse, merde, et puis les anneaux d'ailleurs, et puis aussi pour Super Mario Galaxy, parce que vous voyez quand même on est sur des galaxies à moitié, c'est vraiment ça. Et puis je joue comme une merde, c'est bizarre, le niveau est totalement différent là. C'est parce que je faisais pas le premier niveau sur 3DS, pourtant ça se... Bon, on voyait bien que c'était le niveau entraînement, il y avait marqué. Et que c'était que des niveaux pour la démo. Ah, vraiment pas mal, hein. La musique est pas mal d'ailleurs. La musique est vraiment pas mal. C'est rythmé, comme dans tous les autres Sonic. C'est beau, c'est joyeux. C'est tout rond, tout ce que vous voulez. Je me suis complètement viandé. Ah, et aussi on a un nouveau truc, vous avez vu, on peut grimper sur les murs. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Et ce qui renforce beaucoup l'immersion dans le gameplay. Enfin, pas l'immersion, mais ce qui renforce beaucoup l'intérêt du gameplay. Et
moi qui est un grand fan des Sonic 3D, parce que c'est surtout ça que j'ai connu au début, avec aussi Sonic Advance, mais bon, voilà, j'ai pas connu les vrais Sonic de l'époque. Ah, et aussi, il faut avoir ce fameux anneau. Voilà. Bon, graphiquement, je dirais quand même, quand on sort de Sonic Generation sur PC, je dirais quand même que c'est pas non plus incroyable. Ah, j'ai terminé. Mais c'est un autre style en fait, c'est plus enfantin, c'est plus joyeux. Et c'est ce que je préfère dans un Sonic. Parce que quand on voit des villes et des humains, ça me donne envie de prendre Sonic et de le mettre dans son monde actuel, le monde que vous voyez là. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Oh, des griffes d'Eggman ? Juste le conteneur qu'il a balancé de son egg mobile. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Un seul conteneur ? Quel nul ! À ta place, je les aurais tous rapides. Il faut que tu sauves les autres ! Oh, je ne veux même pas imaginer ce qu'Eggman pourrait leur faire. Les pauvres ! Je m'en occupe. On voit aussi que c'est en français, hein, les voix. Bah, comme dans Sonic Generation. Mais c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, les voix françaises, hein, dans les Sonic. Et ce que je vois, c'est les mêmes voix que dans la version animée, Sonic X. Les objets Wispedia voyagent via Miiverse et arrivent avec le Mi, le pseudo et le message texte. Message écrit à la main du joueur. Veux-tu recevoir ces objets ? J'en sais rien, on va mettre oui. Petit chargement. Ah, on voit... Ah oui, il y a aussi les Wisps, hein, le retour des Wisps. Fait bon usage de cet objet, d'accord. Pascal. Je vais changer de niveau. Non, je suis obligé de prendre ce niveau. Bah, c'est le niveau que je viens de faire, non? Ah non, en fait, il faut que j'aie plus. Oh, je comprends, hein. Allez, voilà. Ah, et... c'est différent de la version 3D, si on peut aller partout, là. Je sais pas à quoi ça sert. Autant suivre le tracé du truc. La partie normale. Ouais, sur 3DS, je jouais assez bien, mais sur Wii U, là, c'est... c'est différent le gameplay, puisque en fait je joue avec le gamepad. Dès la barre Patrix, boum, une armée sur mesure. Et il faut que ce soit une grande armée. Si je veux m'emparer du monde, tu es là-dessous. Vous êtes vraiment très impressionnant comme conquérant. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai réussi à vous soumettre. Et avec votre aide, je vais non seulement régner sur le monde, mais je vais aussi détruire une bonne fois pour toutes cette saleté de Sonic. Eggman veut faire disparaître le petit hérisson bleu. Ouais, bah ça tombe bien. Ah, parce que je suis d'une humeur massacrante. C'est ce qui me plaît chez toi, Zaz. Tu ne dis jamais non à un combat, même sans savoir ce que tu vas affronter. Tu l'as dit. Amène-moi ton hérisson, que je le dégomme. Victoire ou défaite, ça me permettra d'en savoir davantage sur notre ennemi. Ah là là, ah, coucher de soleil, ah, c'est ce que j'aime. Bon, vous voyez, c'est les nouveaux ennemis, hein, les 4, les 6 grands méchants. Enfin, je sais plus comment on dit exactement. Les fantastiques méchants, un truc, une connerie comme ça. Et donc, c'est les nouveaux ennemis. Là, ils collaborent avec Dr. Eggman, mais après, vous allez voir, ça va mal se passer. Enfin, je crois, hein, d'après. On nous a tellement spoilé avec le trailer que voilà. Mais bon, spoiler dans un Sonic. C'est pas comme spoiler dans, je sais pas moi, Tale of Symphonia. Sonic, c'est pas non plus une histoire de fou, enfin... Des fois, j'aime bien les petites histoires, quand même. Elles sont marrantes. Et il y a ce que je vois... La maniabilité de Sonic est totalement différente, quand même, de la version 3DS. Enfin, totalement. C'est que quand je fais un deuxième saut, il reste pas en boule. Il fait une espèce de salto. Arrière. Et comment je fais pour les avoir au cac? Ah voilà, c'est bouton A, c'est pas bouton B. C'est pour ça. Bouton B, c'est pour sauter. Et... le bouton A, c'est pour le homing attack. Est-ce que je vois, il y a des niveaux quand même en 2D, ce qui fait vraiment plaisir. Franchement, je le sens bien Sonic quand même. Je sens que ça va être le retour aux sources. C'est un bon Sonic. Un peu comme Sonic Colors pour la plupart des joueurs, mais moi, Sonic Colors, j'adhère pas trop. Pourtant, je l'ai fini, mais je dirais pourquoi.
Je sais pas, il y a des niveaux, franchement, on fait pas grand chose. C'est ça le problème. Et là, c'est vraiment de la véritable plateforme et je joue comme une merde. Pourtant, d'habitude, vous me voyez jouer comme un dieu hein, dans les Sonic, non? Non, mais c'est normal, c'est parce que j'ai déjà fait le jeu. Là, c'est la première fois et souvent la première fois qu'on fait un Sonic, on se plante pas mal. Et c'est même en rejouant. Et savez-vous que c'est même en rejouant un Sonic qu'on s'amuse le plus en connaissant le niveau par cœur? Ah, par contre, on touche comment ce. D'accord, il me reste plus d'anneaux, je suis dans la merde. Bon, il faut toucher la bouboule. Ah, et le faire tomber. Faire tomber le grand méchant. Ici, c'est incarnation du mal. Mon dieu. Ah, il est très très fort quand même. Moi, je sais pas si les boss ils sont impressionnants. Hein. Je pense pas. En tout cas, en voyant le trailer, les boss, c'est un peu ridicule. Bon, ils ont l'air sympas à battre, mais je sais pas, ils ont pas de charisme. Pas comme Dr. Eggman, lui, il a la classe, lui. Clairement. Et vous savez quoi? Je vais peut-être un peu vous spoiler si vous savez pas. Mais j'ai entendu parler que on va collaborer avec Dr. Eggman en personne. Et oui, Sonic qui va se rallier avec Dr. Eggman. C'est quand même choquant, mais c'est comme ça. Donc c'est que du bon, ce Sonic Lost World. Que du bon. Et je pense que je vais le faire en entier avec vous. Que je sens que ça va pas être non plus un jeu incroyablement long comme la plupart des Sonic. Ah, ah et en fait purée, la map elle est complètement copiée de la map de Super Mario 3D World. C'est exactement la même. Mais je vous ai pas fait encore la vidéo de Super Mario 3D World parce que je pense qu'il y en a pas mal qui en ont fait. On en fera peut-être plus tard. Pour l'instant Sonic c'est la priorité. Même si non Super Mario 3D World, j'ai presque tout fini. Je peux vous parler beaucoup de ce jeu. Merde. Ah, là, on est sur de la gadoue, on peut pas trop avancer. Et c'est souvent des niveaux où ça tourne. On va quand même assez vite. Hein. J'avais l'impression que sur 3D, qu'on allait un peu moins vite, mais c'est ça. Hein. En fait, contrairement aux autres Sonic, là... ok, ça s'ouvre pas ça? Vas-y. Comment on utilise ce truc? Ah ok, faut appuyer sur R. Et, ah et bah, ça me fait penser à sur Wii. Sauf que sur Wii, c'était comment? C'est en pointant la télécommande Wii, comme d'hab. Alors que là, c'est en faisant un trait sur le gamepad. C'est déjà un peu mieux, parce que c'est un peu moins chiant à faire. Surtout que sur Wii, c'était à moitié buggé. Ah et aussi, on peut faire... plusieurs homing attacks, plusieurs fois le homing attack en combo. Enfin, par contre, j'essaye de libérer les animaux, mais j'y arrive pas. Et purée! Les fameux animaux. Avec les oiseaux bleus et les lapins. Ah, il y a des lapins bleus maintenant. Ils ont changé de couleur, les lapins. Et voilà, on peut faire des combos comme ça de homing attack. Franchement stylé, mais bon, ça. Je trouve quand même que ça rend le jeu beaucoup plus simple. Même si il m'a l'air pas assez simple, je vais que me faire toucher. Mais bon, il y a quand même tellement d'anneaux que voilà. Que voilà. Je cours pas très vite quand même là. Alors, je sais pas, quand tu sors de Sonic Generation. Voilà. Alors ça c'est. C'est encore le même Wisp, je pense. Ouais. Les Wisp repris bien sûr de. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Oula. Repris de bien sûr Sonic Colors. D'ailleurs c'est un gameplay qui était beau, qui était pour la plupart bien, mais moi j'ai pas trop aimé les gameplays avec les Wisp. J'ai pas trop aimé leur pouvoir. Je sais pas. Je préfère que ce soit Sonic classique quoi. On court, on sprint comme un fou à toute allure. Le jeu est quand même pas mal graphiquement, mais bon, Sonic a une belle gueule, mais là en fait je voulais revenir pour avoir l'anneau là, voilà. C'est exactement le même système que pour les anciens Sonic sur console HD.
Sonic Lost... Oui, Sonic Lost World. Sonic... Sonic Generation. Ou aussi... Sonic the Hedgehog 4. Et aussi ça. Oula, oula, oula. Ça suit ces boules. Avec les petites clochettes, je crois que ça nous donne des anneaux. J'avais pas vu ça sur la démo de la 3DS. Sur 3DS, il était quand même assez beau, mais bon, on sentait les limitations techniques de la console. Donc là, franchement, le jeu est fluide en plus, hein, parce que sur 3DS, je crois qu'il était un peu moins fluide. Il était quand même assez fluide, mais c'est clairement pas du 60 FPS. Là, il est très 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 fluide. Comme la plupart des jeux très bien maîtrisés sur Wii U. Là, je viens de finir la zone 3. Mais c'est bizarre, j'arrive pas à revoir les niveaux que j'avais fait sur la démo. Si ça se trouve, la version 3DS est totalement différente. C'est des niveaux différents. En tout cas, je sais que sur la version 3DS, entre les deux versions, je sais, la différence, en fait, c'est... Ah oui, d'accord, faut récupérer des animaux et tout, pour avancer dans l'aventure. Un peu comme dans Mario Galaxy avec les étoiles, les fragments d'étoiles. Hé hey, je t'ai cherché partout, le crâne d'œuf au poil dans le nez. Tu me présentes tes amis? Mes amis, tu dis? Ce sont les amis de personne. Ce sont les effroyables six. Et ce sont tes pires ennemis. Zaz, qu'est-ce que tu dirais de montrer à cette peste bleue de quel bois tu te chauffes? Bien, avec plaisir. Ça me démange de lui donner une bonne raclée. Ça te démange parce que t'as besoin d'un bon bain. Et toi, tu serais pas en train de te ficher de moi? Possible. Je vais te démolir, tu vas voir. Ça m'aurait fait plaisir de le voir te découper en petits morceaux, mais j'ai pas mal de boulot qui m'attend. Tu sais quoi? Je connais l'endroit parfait pour t'arranger le portrait. C'est marrant. Moi, je connais l'endroit parfait pour t'en coller une. Bon, encore une petite cinématique. Avec le moteur du jeu, sans doute. Hein. Sur 3DS, c'est des vraies cinématiques, par contre, je crois. Mais elles sont vraiment pas nettes. J'ai vu ça. Bon, alors, là, il faut en gros battre l'un des effroyables 6. Voilà, j'étais pas loin, je lisais Grand Méchant 6. Les effroyables 6. Et à ce qui paraît, ce Sonic Lost World, il devait être fait sur Saturne. Parce qu'il n'y a pas eu de Sonic sur Saturne, enfin de véritable Sonic. Et il devait être fait à l'époque sur Saturne. C'est assez drôle. C'est une petite anecdote que j'ai vue. Je sais plus comment je l'applique déjà. Et puis il y a le Maboule des effroyables 6 qui me gueule dessus. On l'entend du gamepad, non, je rigole. Non, il n'y a pas eu d'utilisation de gamepad pour l'instant. Bon, il y a les fameuses coccinelles robotisées, là, les coccinelles qui avancent avec une roue de moto dans le cul. Il faut faire gaffe aux fleurs. Eh oui, les fleurs de Sonic se font mal maintenant. Ah, c'est vraiment Green Hill Zone, hein, par contre, ici. Pour les nostalgiques, hein, des premiers Sonic. Surtout qu'on est en 2D, et là, ils doivent être fous. Hein. Mon Dieu, nous sommes en 2D. C'est incroyable. Ces gars ont enfin compris qu'il faut pas faire de la 3D. Non, je rigole. Ah, merde. Oh, purée, j'ai failli tomber comme une merde. Quand même, on récupère assez rapidement les vies. Pour tout vous dire, je l'ai fait pas mal de fois à la démo et j'ai 60 vies. Parce qu'en fait, je l'ai fait plusieurs fois pour avoir une super note. Ouais. Il y avait deux niveaux et voilà, j'ai fait 60 heures dessus. Non, je rigole. Non, mais on récupère hyper facilement les vies. Ce que vous dire. Heureusement d'ailleurs, parce que dans les Sonic, quand même, on en perd des vies. Ah, purée. Que pour l'instant je me débrouille plutôt pas mal, c'est peut-être parce que je fais gaffe.
C'est après, si on connaît les niveaux par cœur et qu'on va super vite, là ça va être plus hard. C'est plus hard d'avoir les bonnes notes aussi, mais j'ai pas fait gaffe, je crois qu'il n'y a pas eu de notes. D'habitude, il y a des notes. Bon, moi je trouvais ça pas mal pour faire des meilleurs scores. La musique, franchement, le thème principal, je le trouve vraiment pas mal. Ah, j'ai eu un nouveau pouvoir. C'est quoi ce Wisp? Je l'ai jamais vu. Nous allons voir ce que c'est. Incline le gamepad dans la direction où le déplacer. Je comprends rien. Ah non, voilà ça. Oui, et... Ok, c'est quoi ce pouvoir? Ok. Je vais vous dire un truc, j'ai rien compris. Bon, c'est un espèce de mode invincible. Bon. On peut faire des wall jump, comme d'habitude. On peut faire... Bah, on peut courir sur le mur. On peut aussi courir sur le mur, mais à la Prince of Persia. C'est-à-dire, on peut aller sur le côté du mur et courir, et ça, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute du gameplay. Le prince de Perse peut aller se coucher maintenant. Sonic est là. Ah voilà. On retrouve notre ami. Franchement, il me fait penser à Waluigi. Je sais pas pour vous. C'est Waluigi, mais en effroyable. Les effroyables aussi. Ils auraient pu chercher un autre nom quand même. Je sais pas. C'est une espèce de course-poursuite. Moi, carrément dans les buissons. Ah bah maintenant, c'est lui qui me poursuit. Hein. Je dois peut-être pas me faire toucher. Hein. Je préfère m'enfuir. Il y avait une one-up que j'ai loupée. C'est magnifique. Je me fais défoncer. Je ne comprends rien. Je prends n'importe quel bumper. Bon, bah, on le défonce. Hein. Je sais pas. Il avait balancé un peu trop loin sa bouboule. Bon, est-ce que vous appelez ça un boss incroyable? Moi j'appelle ça un boss moyen. Bon, j'ai zéro anneau, je ferais mieux de me taire. Oh là là, deux fois encore une fois. Mais je joue comme un demi-god. Voilà, c'est... D'accord. Ah purée, mais la maniabilité de Sonic est très étrange, je trouve. Pour les sauts là, je sais pas, j'arrive pas à le contrôler exactement. Je trouve ça étrange. Je trouvais ça déjà étrange sur 3DS, mais après je me suis habitué. Et sur Wii, c'est différent encore. Sur Wii U. Ah, je suis encore défoncé. Ah, c'est des espèces de bumper en fait, mais des espèces de moutons, là. Laine de mouton. Je suis un gars de la campagne, donc voilà. Ça me fait penser à ça. À chaque fois, j'arrive pas ici. Non, j'ai zéro anneau. Non, je suis foutu. Voilà ce qu'on disait souvent dans les Sonic. Mais... Trop fort. J'ai rien compris. Je vais foncer sur l'ennemi, je sais pas pourquoi. Après, j'arrive pas... Attends, est-ce qu'on peut jouer avec les flèches? Alors, ah, ça aurait été mieux. Parce que le stick, bon... Quoique, je joue avec le stick avec Donkey Kong, mais bon... Même si je Donkey Kong, je trouve qu'il est mieux avec... Country Tropical Freeze, il est mieux avec les flèches, mais bon, le problème c'est que quand on met avec les flèches, les boutons ils sont super mal placés. Donc voilà. Dans les menus, c'est n'importe quoi. J'arrive pas là. J'arrive pas. Oui, j'ai un anneau. Je suis sauvé. Bon, il me reste 10 vies. Hein. Ouais, je l'ai touché deux fois. Bon, je suis sûr de le battre quand même. Ouais. Quand même, d'être battu lamentablement. Je suis sûr de le battre, oui. J'aime pas cette inertie quand même. Oula. Je serais peut-être plus habitué plus tard, bien sûr. Mais... Je sais pas, il a une inertie bizarre. À chaque épisode, il change de gameplay, Sonic, là. Je comprends rien. C'était mieux avant. Il changeait jamais de gameplay. Sur les versions 128 bits. J'aurais vous c'était ça le boss. Non. Enfin, quoi que je l'ai tué deux fois, trois fois.
Donc voilà, j'ai rien à dire. Ouh, voilà. Alors Tails, on va pouvoir y aller. J'ai fabriqué une télé rien qu'avec des trombones. Ouais. Reprogrammé un super ordinateur avec du liquide vaisselle et un cure-dent. Je sais. Alors pour moi, réparer l'hélice d'un avion, c'est presque aussi facile que de faire la sieste. D'accord, mais t'avais pas besoin de me raconter toute ta vie, tu sais. Il suffisait de me dire qu'on pouvait décoller. Très bien. Prêt à décoller. Cool. Ouais, mais Tails, il a toujours besoin de bavarder. Hein. C'est Sonic. Ah, oh là là, oh là là, oh là là, oh là. Oh non. Ne me dites pas que c'est Mario 3D World. Oh, mais j'ai entendu parler que... Miyamoto, là, je sais plus son nom, son prénom déjà, mais son nom de famille, Miyamoto, et bah, il a travaillé sur ce projet, hein, Sonic Lost World. Donc c'est un peu logique qu'il ressemble un peu à Mario Galaxy. Sega et Nintendo qui travaillent ensemble quand même. C'est une première. Voilà, cirque, carrément, on a un cirque. C'est Mario 3D World, nous sommes dans Mario 3D World. Touche le trampoline et fait glisser vers la gauche. En plus, il a exactement la même gueule, le cirque. Je comprends rien du tout. Pourquoi je peux pas appuyer? Ah, ok, c'est avec ça. En fait, vous voyez pas, vous, mais je fais bouger le truc. Enfin, si, vous voyez. Ah, je l'ai déjà fait tomber. Ah, ouais, ok. C'est un petit mini-jeu sympathique. Ah, et il saute encore plus haut quand il touche des ballons. Des ballons de baudruche. Il sauve des petits animaux, c'est mignon. C'est bien, les mini-jeux dans Sonic Lost World, ils sont mieux que dans Mario. C'est déjà une première. C'est déjà une première qu'il y a des mini-jeux dans Sonic. Bon, par contre, c'est bientôt fini. Enfin si, il y en avait avant, mais ils étaient un peu moyens. Je sais pas combien de vies on a par contre. Ah si, 0, d'accord. Je sais. Il m'en reste 0, c'est cool. Bonus 200 animaux, est-ce que c'est bien? Mais moi je pense que c'est un score plutôt mémorable pour un joueur comme moi. Non, je rigole. Bon. Ah, le niveau de désert, tic. Le seul niveau que j'ai vu en vidéo test sur jeuxvideo.com. Je dois dire que ces animaux sont franchement décevants. Et vous voulez encore plus vendre de bois à rien. Ma déception est extrêmement grande. Nous n'en avons strictement rien à faire de vous décevoir, maître. Et de ça non plus, on n'a rien à faire. Ouais, c'est comme ça qu'ils gagnent les animaux, hein, Dr. Eggman. Ah, lui, par contre, c'était un niveau pas très beau. Enfin, classique. Ça aurait pu être tourné sur lui. Mais les ennemis sont franchement bien modélisés, hein. J'aime bien parler du jeu comme ça parce que bon, on n'est pas en vidéo test, mais bon. On se prépare déjà, hein. Ah, et on sauve des animaux à chaque fois qu'on tue les ennemis, hein. Le classique. Il faut en avoir, bah là j'en ai 22. Donc sans doute assez pour le prochain monde, ou je sais pas. Là, je l'ai vu en. Non, ils ont montré ce niveau là sur jeuxvideo.com. Un peu de pub pour jeuxvideo.com. En même temps, c'est le seul site des jeux vidéo que je regarde. Après Gamecult, je trouve ça moyen. Mais... Ah. Et on voit plus rien. Ah, c'est celui-là. Alors là, faut faire quoi? Ah, et ok, quand je fais du surplace en appuyant sur R. Oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit encore une fois. À chaque fois que je me coupe. Et, ah oui, il y a les fameuses araignées qui nous prennent. Fameuses araignées. Bon, je pense qu'après ce niveau, on va s'arrêter là. Parce qu'après, je suis un peu occupé. Et 30 minutes, ça peut aller. C'est un bon début.
contre, j'arrive pas à ce passage. Ah. Donc j'ai l'araignée. Ah, on peut faire aussi les fameux écrasements. Faut faire quoi après? Ah, je peux carrément grimper là et... Oh purée, c'est à Donkey Kong! Décidément, Sonic, il copie pas mal de jeux connus. Oui, mais par contre, là, je sais pas comment y aller. Hein. J'ai pas assez de vitesse. C'est ça le problème. Je suis sûr que ce niveau-là, normalement, on le fait. Et le nez... la main dans le nez. Non, c'est quoi déjà l'expression? C'est trop cool. C'est trop mémoire de merde. Le wall jump, le wall jump. Là, attention à la plante carnivore en dessous. Je suis mort, sérieux? Ah, ça va, il y a un checkpoint. J'adore. Il me tue en un coup, hein. J'ai cru que quand il nous dévorait, on perdait que des anneaux. Ah bah non, il nous dévore totalement. Hein. Ah bah oui, hein. Il est pas gentil. Hein. Il y a beaucoup d'anneaux quand même. Est-ce qu'ils ont choisi la facilité, hein. Bon, la musique là est assez moyenne. Je préfère la première. La première était vraiment bonne. Mais ils choisissent plus des musiques en fait. C'est parce que c'est Miyamoto qui était dans le projet aussi. C'est parce qu'ils choisissent plus des musiques à la. Ça fait un peu style Mario quoi. Merde, je tenais. Alors qu'avant ça faisait plus rock'n'roll ou. Quoi d'autre. Bah rock'n'roll. Ah si, le piétinement c'est avec le bouton X. Ah, et aussi, je vous parlais voilà de comment courir. Et bien, en fait, dans ce jeu, on peut marcher. Et oui, dans le premier Sonic, où on peut marcher. Et bien, voilà, enfin, marcher, trottiner. Merde, je vous montre un truc et il y a des trucs qui m'attaquent. Donc, on peut trottiner quand on appuie sur rien du tout, juste quand on avance avec le stick directionnel. Et quand on appuie sur la gâchette droite, de derrière, comment ça s'appelle déjà R2. Enfin. Sur Wii, c'est pas R2, mais voilà, c'est RZ, je crois. Eh bien, on peut courir, on peut sprinter. Désolé, j'ai été coupé. Donc, on continue. Donc, on était à où? Ici, sur le sable. J'avance à 2 à l'heure. Tout est parfait. Je crois qu'il faut pas faire le niveau comme ça en vrai. Bon, tant pis. Après ce niveau, on arrête. Et vous voyez quand même. Donc le level design a évolué par rapport aux anciens Sonic. C'est déjà. Parce qu'on va pas tout droit. Bon, par contre, je sais pas comment on fait le spin dash. Pas faire le spin dash. Non. Bon, je sais pas comment on monte d'ailleurs aussi. C'est peut-être ça le spin dash, le nouveau spin dash. Oh non mais j'arrive plus. Ah voilà, faut faire comme ça. Alors, c'était peut-être pas comme ça exactement mais. J'ai du mal avec ce nouveau gameplay quand même pour pouvoir courir sur le mur. Je me suis fait toucher mais je suis pas mort. Il m'a pas dévoré. Bon bah je me débrouille plutôt pas mal, hein. J'ai pas perdu de vie. Ah si. Avant j'ai perdu quand même une vie en me faisant bouffer. Après il faut que j'ai la vie mais. Mais je sais pas. Je vais avoir la vie. Oh purée. Le problème c'est qu'il y a le monstre. Nickel chrome. Et nickel chrome. J'ai eu la vie.
c'est quand même vraiment que je m'habitue à ce gameplay là, pourquoi sur les murs. Parce que si ça se trouve après il y aura plein de niveaux où on sera au-dessus des pics et on n'aura pas le droit à l'erreur. Faire gaffe, ben, je trouve que quand même le level design est intéressant. Là il y a des vers qui essayent de nous bouffer, il y a des idées. Bon ben, je pense qu'on est bientôt à la fin du niveau. Ah, un checkpoint. Bon, ben, là j'arrive pas à passer entre les cactus. Le sprint ultime de Sonic. Ouais, y a des vers de partout quand même. Mais franchement, je trouve que le style est vraiment... C'est vraiment Mario Galaxy quand même. Par contre, je sais pas quand est la fin. Quand on est à la fin de ce niveau. Voilà. Voilà, mais c'est quoi ça? Des boules de feu qui m'attaquent. Ah, on peut carrément... Ah non, j'ai cru qu'on pouvait courir sur le vert. Ça serait un peu bizarre. Voilà, je pense qu'il faut aller là-bas. Ah, c'est pas si facile que ça. Hein. Même s'ils nous donnent quand même vraiment beaucoup d'anneaux, ils sont vraiment sympas au niveau de ça. Il nous donne quand même beaucoup d'anneaux. S'il n'y avait pas d'anneaux, franchement, je vous dirais que je serais tout de suite mort. Je vous dirais tout de suite que ce jeu était impossible. Voilà, j'ai gagné avec un anneau. Respect. Et j'ai eu 466 animaux. Enfin, non, peut-être que c'est mon total. Je ne sais pas. Je pense que c'est mon total. Il y a des nouvelles étapes disponibles dans course à deux joueurs. Ah, on peut faire... Ah, il y a du deux joueurs. Ah, c'est... Je viens de l'apprendre. Il y a du deux joueurs. Et là, je ne comprends rien à son langage. Voilà. Parce qu'on va avoir quelques messages comme ça, mais... Des fois, on va avoir le droit à des Espagnols ou même des Japonais. Des Japonais, là, c'est foutu. Ah, il y a aussi des systèmes... on peut... en fait, les cirques, là, les niveaux bonus, on les déverrouille avec les anneaux rouges. Bon, on va se laisser là, si je peux sauvegarder. Je sais pas si on peut sauvegarder juste derrière ce niveau. Peut-être que ça a sauvegardé tout court, je sais pas, je vais voir deux secondes. Si jamais je peux continuer... Ah bah oui, on est juste là, bon bah. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de Sonic Lost World. Voilà. Bon, je prends une petite vie parce que c'est toujours plus sympa d'avoir plus de vie. Et on se retrouve pour ce niveau-là, Désert Ruine Zone 2. Alors voyons pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma.